Euh, Valérie Holland, agriculteur en, on est à la on, dans la Sarthe, on est à la, on est à la limite de, on est à côté de la Ferté-Bernard, on est à la limite du 61, du 28 et du 41. Okay. Euh, région, pays de Loire. Et je suis agriculteur sur 100, entre 130 et 180 suivant l'herbe le, 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 que je vais chercher à l'extérieur. Euh, Polyculture élevage avec une grosse dominance aujourd'hui en bovin viande, alors que ce n'était pas vrai il y a encore trois quatre ans. Okay. On est sur des sols argilo-calcaires superficiels. On fera certainement un tour là-bas euh, sur le profit culturel qui a été fait avec une pelleteuse cette semaine. Euh, des sols très très légers en ACS pendant, euh, en enfin, non 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 en semi simplifié pendant euh, une grosse dizaine d'années. Et quand moi, je me suis installé en 2000 euh, quelque chose, je suis passé en semi direct pur avec zéro travail du sol. Euh, je m'autorise quelques passages de fraises de temps en temps pour euh, mulcher les couverts. Et quand je suis pressé, euh, je fais le semi avec le mulchage. Sinon, c'est tout à la dent, une dent fine de 15 mm. Donc un système euh, pas que céréalier, polyculture élevage. Ouais, bovin viande, limousine, vache limousine. Je vais aller une grosse centaine de vaches. J'engraisse 70 jeunisses croisées euh, tous les ans. Euh, je, reste, je reviendrai sur de la limousine quand euh, on nous rémunérera, rémunérera un peu plus la vache limousine par rapport à la vache croisée. Et aujourd'hui, elles sont euh, essentiellement soignées avec de l'herbe. Euh, des métailles et tous mes déchets de triage de graines et porte-graines. Ok. Je fais vespois, févrole. Pour les métailles, il y a voine, seigle. Enfin, j'en fais tellement que je trie tout avant de vendre. Donc, elles sont essentiellement complémentées avec les déchets de triage. Je fais des métailles derrière de la cérale, sur les parcelles de céréales qui commencent à se salir. Je m'entête pas. Alors jusqu'à jusqu'avant Covid, le budget était clair. C'était un passage de désherbage avec un budget très court. Et depuis la hausse des, 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 des charges, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Mais dès que les parcelles salissent en graminée, c'est métaille. Euh, donc je lancesil une première fois. Je laisse passer à travers. Enfin, je au stade montaison. Et je refauche trois semaines un mois après. Okay. Et même punition. Et derrière les métailles, soit dessous j'ai une légumineuse, trèfle violet, trèfle blanc, luzerne. Soit j'ai rien. Et là, je resème euh, comme c'est dans la parcelle où on est euh, un millier. Si on parle de cette parcelle là, euh, si on monte, mettons, euh, donc c'est quel type de sol ici Argileux calcaire superficiel. Ici, il y a 15 centimètres de terre. Et entre 6 et 7 mètres de pierre blanche. Ok. On n'a pas de réserve euh, du tout en humidité. S'il ne pleut pas, on n'a rien du tout. Donc euh, l'année dernière, il y avait un métaille ici, ça L'année dernière, il y avait un métaille. C'était derrière un blé qui commençait à se salir. Et j'ai fait un premier métaille. Peut, alors dans ce métaille, il y avait... Euh, Ves, quelles ouais, qu es oui, espèces À quelle dose et c'est à peu près à quelle date alors, euh, j'ai semé ça. Euh, C'était un essai. Enfin, je voulais faire un essai. La parcelle est faite. Je crois que c'est 14 hectares. Je l'ai semé en trois fois, à trois semaines d'intervalle, pour voir un peu la différence de stade au printemps. Ok. Et l'an dernier, bah, pas de bol. Enfin, donc, ça fait 18 mois de ça, pas de bol. Il a fait doux très longtemps. Donc, entre le premier semé et le dernier semé, il n'y a pas eu de différence parce que le dernier a rattrapé le premier pendant l'hiver. Et donc, euh, sur une base trois euh, quarts légumineuse, un quart à peu près euh, euh, graminées. Donc, avoine, seigle. Euh, alors, tout ça, c'est de mémoire. Je crois que j'ai mis 50 d'avoine, 50 de. Non, j'ai mis 50 d'avoine et, et 25 de seigle. OK. Euh, j'ai dû mettre 40 de 42 40 de poids et 100 kg de févrole et j'avais mis 500 g de trèfle violet, 500 g de trèfle blanc et j'avais mis 3 4 kg de luzerne. Okay. C'était un essai. Euh, donc j'ai fait deux coupes, une première très belle coupe. Euh, on sortait de mémoire 4 tonnes et demi de matière sèche et une deuxième un peu moins conséquente parce qu'on a on a pris trois semaines de sec. Euh, on a sorti trois tonnes. Et derrière ça, ils annonçaient de l'eau. Euh, J'ai semé un millier à 25 kg hectare, un millier blanc. Donc en direct à la dent. En direct à la dent parce que c'était raide sec et je voyais bien que le, ce qui était en place, les, le trèfle était, avait pas envie de se développer et c'était pas ça démarrait pas pour lui parce que l'hiver avait enfin, l'hiver était tellement doux qu'il s'est fait attaquer par pas mal de bestioles et il manquait pas mal de monde. Donc euh, j'ai semé mon millier et je l'ai récolté. On l'a battu aux normes à 27, 27 quintaux, Bien vendu, donc là, ça s'est bien passé. Ce qui fait que j'ai semé un blé en direct dedans euh, cette année, la semaine du 10, autour du 10 novembre. La semaine, enfin, les seuls jours où il a fait à peu près beau. Et il a eu euh, 0 de fausse c'est tout ce qu'il a eu. Glyphosate avant semis, j'imagine, pour faire un coup de feu. Non, il a même pas eu de glypho, parce qu'en fait, il était propre. Grâce au millet et son effet ah ouais, de Le millet, le millet a vraiment étouffé, parce que, comme euh, ils annonçaient un peu d'eau, mais pas trop, je j'étais pas sûr de mon coup, je l'avais semé un peu épais, et je l'ai désherbé, mon millet, avant, enfin, j'ai désherbé avant levée du millet, donc ce qui fait que les deux, trois régras, les deux, trois vulpins qui sont sortis, je les ai flingués. Ok. Le millet a fait son job, il m'a bien désherbé toute la parcelle, il était propre. Donc je n'ai pas désherbé mon blé. Ça, euh, on appelle ça la chance du débutant. Enfin, j'en sais rien, mais je, je, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas le faire, parce que le, les quelques grains qui sont, les quelques pieds qui sont à droite à gauche, ils vous font chier. Mais là, la parcelle était vraiment propre, il n'y avait que de la dicote. Et moi, la dicote, c'est énormément du géranium. Et aujourd'hui, bah, de toute façon, ils sont encore là, parce que euh, le fausse ne navire un peu, mais pas assez. Les pieds qui étaient très développés, bah, ils sont encore là. Mais on part sur un blé qui est très propre, donc je suis pas très inquiet. Et euh, ce blé a semé à peu près à combien de grains À quelle, quelle date à peu près Il a été semé, alors, je crois que c'est 10 ou 11 novembre, le seul créneau météo qu'on a eu là euh, où il faisait à peu près potable. Et il a été semé à 380 grains. Un starter au démarrage, tu Non, non. Euh, alors, ou... l'enrobage, le, le, c'est toujours la même punition chez moi. Donc, ah, est... le blé a été enrobé ici. Ah oui, toujours. D'accord. Tous les blés sont enrobés. Enfin, tout ce que je sème est normalement enrobé. Millets, mes aussi. Tout, ouais. J'essaye de tout enrobé. Et tout est accompagné avec, euh, alors, du soufre élémentaire, du gypse, du minéral à vache. Il y a 20, euh, là, il y a 25 kilos de minéral à vache. Il y a 40 kg de gyps et il doit y avoir 10 kg de soufre élémentaire. Euh, la proportion soufre élémentaire gypse elle n'est pas toujours vraie, mais là, je veux faire des essais, parce que j'entends beaucoup de techniciens parler de, de gyps dans la ligne de SMI, donc euh, moi, je crois que ce que je vois, donc on fait l'essai. Ok. Et donc, quel, quel effet tu cherches de chacun de ces trois produits, donc le CMV, le gypse et le soufre élémentaire le souf, on va commencer par le soufre élémentaire. Le souf, ouais. Ici, on est sur des, des pH à 8,59. Donc le soufre élémentaire, je ne vous fais pas de dessin, c'est vraiment pour aller débloquer le, 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 le sol. Euh, le gip, c'est pour apporter du calcium. Parce que même si j'ai des pH très élevés, je n'ai pas de calcium assimilable quand je fais mes analyses foliaires. Et le CMV, c'est vraiment pour biberonner tous les oligos le plus près possible. Dans la ligne du semi pour ma plante, et c'est tout ce que je vais apporter en moins en foliaire après avec le pulvé. Et que... comment tu mets le CMV T'as un microgranulateur pour le soupoudrer Non, j'ai trois trémies sur le semoir, d'accord. Et je l'apporte aujourd'hui. Alors ce qui était pas vrai avant, mais aujourd'hui je le mélange. Euh, enfin, je baigne tout dans une case en vrac et euh, je mélange. Euh, le soufre élémentaire, le gypse et le minéral et je mets tout dans la trémie et c'est du gypse granulé ou poudre oui c'est du gypse granulé okay. du compacté du, du micronisé recompacté D'accord. je suis revenu sur ce principe là parce que je trouvais que les trois trémies c'est très bien mais le minéral à vache il a du mal à descendre et à côté de ça le soufre et le gypse faut que je le mélange donc tant qu'à mélanger maintenant je m'en kikine plus je mélange tout et hop c'est parti et euh, j'imagine qu'il y a autant de il y, y a une variété de CMV lequel complément à vache tu utilises enfin, lequel te donne satisfaction non c'est pas lequel me donne la sa satisfaction c'est que j'estime que ce qui est bon pour une vache c'est bon pour le sol okay. donc on prend euh, un minéral alors plus ou moins enrichi ceux d'automne on les fait pas enrichi, enfin on les fait pas réenrichir en, en certains minéraux par contre ceux de printemps on les refait enrichir en zinc okay. et en cuivre ou en en zinc ou en cuivre, suivant les besoins qu'on a dans les parcelles. Mais celui de l'automne, on se pose pas de questions. On prend un minéral à vache assez riche avec suffisamment de vitamines et d'oligo dedans. Euh, on met un peu d'argent dedans, mais euh, enfin bon, on met 25, 25 balles de l'hectare, euh, on les retrouve haut la main. Et ça, c'est les choses que tu as... Tu disais que tu as, as, fait beaucoup les sens, je choses que tu as essayé, répété avant oui. de le valider, quoi. Ouais. C'est pas, ouais, euh, ouais. c'est ben ça, on essaye ça depuis, euh, je pas, plus de dix ans. Enfin, oui, il y, y a plus, de dix ans qu'on fait du minéral à vache dans la ligne de semi. Et entre deux, on a eu l'analyse foliaire, on a essayé des apports foliaires, on a essayé plein de choses qu'on fait toujours quand on a des gros manques. Mais le minéral à vache pour, euh, pour les plantes, je trouve que ben c'est génial parce que la plante, elle l'a au pied. Enfin, dès que la germination se fait, euh, les oligos sont là. Alors, il y a des chélatés, des pas euh Il y a plusieurs formes dedans, mais on s'aperçoit que de toute façon, quand on fait l'analyse foliaire, ce qu'on a mis, on l'a. Là où on n'en a pas mis, on le voit aussi. Donc, c'est que ça fonctionne. Ok. Euh, il y a des produits qu'on a utilisés sur le marché qui me donnent pas satisfaction par rapport au prix qui fonctionne certainement très bien, mais la masse économique est trop importante par rapport au minéral lavage qui est très simple quoi. Et l'enrobage parce qu'il faut quand même parler de ouais. l'enrobage, c'est toujours le même, enfin c'est toujours, euh, on, on change pas une équipe qui gagne, mais là, acide aminé, acide humique, euh, du zinc parce que le zinc c'est la germination. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié Des vitamines, des EM. Et c'est pas mal. Et euh, alors, pour la, chacun de ces produits, quelle dose euh, quel vitamine ce qu'il y en a plein. Quel acide aminé ce qu'il y en a plein. Quel acide humique fluvique Parce qu'il y en a plein dans le commerce. Alors, moi, je suis pas chiant. Euh, c'est mes collègues qui s'occupent des appels d'offres. Alors, jusque-là, on était tout détaillé. Donc, l'acide aminé, euh, l'acide humique, ils venaient tous indépendamment d'un distributeur différent au prorata de l'appel d'offres qui avait été ramassé. Aujourd'hui, je suis revenu en arrière comme il y a 15 ans, Alors, je parle comme un vieux con, mais euh, je suis revenu chez Thierry D'Artois, Fertitrade, qui a un produit qui s'appelle l'Altec, euh, qui a tout dedans, et ça fait un an que je suis revenu avec lui, je m'enquiquine pas, tout est dedans, l'affaire est classée, et je remets juste un peu de zinc euh, dedans pour la germination. Et dans son produit, on a tout, et je reviens à la simplicité. Ok. Euh, ce qui était pas vrai avant, parce que je suis un peu têtu. Enfin, euh, je suis un peu têtu, j'en sais rien, mais c'est que je crois que ce que je vois. Et après avoir fait plein de formations, euh, on était revenus tous un peu à faire de l'épicerie, des essais, euh, de l'acide humique, de l'acide aminé, Pierre, Paul, Jacques et tout. Et en fait, on s'aperçoit que le principal c'est d'en mettre. Et là, Thierry chez Synergy, ils ont une. Enfin, chez AgriSynergie, ils ont ils ont un truc qui est pas mal, qui est fait, qui est tout prêt euh, et qui fonctionne. Donc euh, voilà. Là je reviens à la simplicité. Et quel effet tu cherches avec cet enrobage Ah bah booster la germination. OK. Euh, on l'a fait pendant je sais pas combien d'années, maintenant je veux plus entendre parler de ces essais-là. Avec ou sans enrobage, il n'y a pas de débat. Euh, une parcelle qui est enrobée enfin une moitié de parcelle qui est enrobée ou une moitié de parcelle qui est pas enrobée euh, vous venez à la lever, c'est à couper au passage même du semoir okay. euh, même s'il y a une heure de décalage dans le semis euh, c'est une levée avec une vigueur de démarrage euh, qui est spectaculaire un racinaire qui démarre plein gaz euh, sur de l'enrobage alors qu'à côté ben, on voit bien que c'est chétif Aujourd'hui, on se permet même de réenrober sur de la semence, de, je parle du maïs, euh, qui est déjà enrobé, et on reenrobe dessus parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de secret. Hein. Euh, L'enrobage, c'est le biberonnage qui, qui démarre plein gaz. Hein. OK. Et, et donc sur le blé où on est présentement même si on ne peut pas présager du futur de la saison, qu'est-ce qui va se passer et Comment tu vas le manager étape par étape Dans l'idée, bien sûr. Alors dans l'idée, je reviens un peu en arrière. J'étais venu, enfin j'étais arrivé un peu à la Conrad Schrader un seul passage d'azote, okay. et là je vais revenir en deux passages parce que ça fait deux années qu'on prend euh, derrière le passage d'azote des grosses grosses quantités d'eau, donc j'ai des blés qui démarrent plein gaz. Et fin de cycle, même si j'apporte un tout petit peu de foliaire, eh ben je suis un peu, enfin pas déçu, mais hum, je refais un essai avec deux passages d'azote, point, point terminé. Donc euh, je vais faire deux passages durés à 15 jours d'intervalle. Je solde de l'engrais. Apport acide aminé, acide humique, donc euh, je vais passer avec l'Altec de chez euh, N-Synergy, 3 litres. Plus de la mélasse parce que j'aurais dû le faire à l'automne mais j'ai pas eu le temps puis on n'a jamais pu y mettre les pieds. Euh, je vais y apporter une dizaine de litres de mélasse, si c'est pas plus. Des em impératifs, euh, 15, 20, 30 litres, je sais rien. On va voir suivant euh, ce qui va me rester en stock et la météo qu'on va avoir et le temps que je vais disposer. Euh, je vais apporter du soufre, et du bor, du manganèse. Et normalement ça va à la moisson et. Hum, je vais solder un petit coup d'azote en foliaire euh, pour assurer mes protéines. Point, la ligne normalement que le job est fait. Donc, euh, pas de, pas de produit fongique, c'est ton mélange alternatif qui va le faire. Quoi. Oui, euh, sauf pépins euh, et rattrapage de désherbage. Je, enfin, voilà, euh, je n'ai pas prévu repasser avant la moisson. Enfin, j'ai pas prévu repasser avant le, les 3 kilos de durée que je vais faire fondre et que je vais passer en foliaire euh, euh, pour assurer la protéine. Hormis ça, euh, si j'ai pas de dicote à me poser problème, euh, j'en passe pas. Et, euh, quelle quantité d'azote tu vas apporter dans ton fractionnement de passage, à peu près? Voilà, je pense que je vais faire 70, enfin, l'objectif, ça va être d'apporter, euh, 120, 140 unités. Euh, j'ai pas fait mes reliquats, mais on va faire un tour de reliquats là, d'ici peu. Euh, l'objectif, c'est d'apporter 140 unités. J'ai augmenté un peu mes quantités d'azote parce que je les avais baissés mais comme j'absorbe je, 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 mes couverts et je rebouffe mes couverts avec les vaches, okay. euh, je veux apporter un peu plus d'azote pour qu'il me reste de l'azote dans mon sol et que mon couvert il reparte plein pot plutôt que d'apporter de l'azote au semi du couvert. Euh, voilà, 70-70, ouais, je pense que je vais faire avec 15 jours d'intervalle. Et euh, ton produit soutien santé, tu le fais après à quel stade Dans la foulée. Du deuxième passage Oui. D'accord. Enfin là, ça va être fait. Euh, je le faisais au premier passage, donc je pense que on va voir comment ça se goupille. Mais au 15 février, euh, premier passage. S'ils si annoncent d'où, je vais passer. Euh, je vais passer toute la touille avec. Euh, sinon, 15 jours, 3 semaines après, je vais passer. Parce que je me souviens, tu précisais que pour toi un oligo, c'est jusqu'à épi un centimètre. Après, oui. ça porte beaucoup moins. Ah, on est d'accord. bah ben là, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a toujours pas de débat, parce que jusqu'à preuve du contraire, et la preuve a plutôt été dans ma faveur que dans le contraire. Donc, euh, non, non, moi, les apports d'oligo, c'est très, très tôt. Et de toute façon, les apports d'oligo, c'est la photo de mon analyse de terre. Donc, là où il en manque d'analyse de terre, il en manque dans le foliaire. Donc, c'est pour ça que euh, moi, j'apporte très tôt. L'objectif, c'est très, très tôt. Après, je ne passe plus. On n'a on a vraiment pas d'humidité dans le sol après. Donc euh, le moindre coup de sec, c'est on le paye cash, nous, ici. Et, euh, et donc ton apport protéine, tu dis que tu fais fondre 3 kilos durée. Oui. Euh, c'est une faible dose, quand même. Oui, mais ça suffit. Ouais, ça, ça suffit pour m'assurer mes points de protéines. Euh, et c'est vraiment au cas où... Euh, enfin, au cas où... Euh, avec un peu d'acide aminé, euh, c'est vraiment pour assurer mes protéines et de pas être pénalisé quand euh, parce que le blé c'est le seul truc, enfin c'est la seule chose que je vends sur la ferme à Rouen et c'est la seule céréale que je voudrais pas me faire pénaliser de cinq six euros de la tonne juste parce que je suis pas passé avec trois kilos de riz. Et donc tu la passes avec une buse type phyto quoi, j'imagine. Oui, très basse dose. Ouais ouais, mais je la je la fais avec, euh, moi j'ai un spracoup, je la fais avec la même buse que je passe tout. Donc okay. pour moi, je change rien du tout. Je mets un peu de d'acide aminé, un peu de de M. Euh, je passe terminer l'affaire classée. Mais ça me permet d'assurer. Depuis, enfin, euh, de, euh, je fais pas ça depuis longtemps. Ça fait deux, trois, trois, quatre ans que je fais ça et trois ans. Ouais. Euh, j'assure mes points de protéines. Avant, j'avais un peu de variation. Quand le rendement était à peine là, c'était bon. Quand il était un peu plus élevé, eh ben, j'avais plus les protéines et je me faisais pénaliser. Donc là, j'assure mon coup. Je fais fronde de, de l'urée et terminé. Ok. Et euh, Alors, je euh, dis 3 kilos, mais euh, ça peut être 5. Moi, je me prends pas la tête. Hein. La parcelle fait tant, divisé par tant. Il faut que ça corresponde à ce qui me reste en temps et puis euh, la faire classée. Mais c'est souvent ça, 3, 5 kilos. Et derrière, donc, lheure la récolte, évidemment, bah, comme c'est un terrain sec, on ne peut pas présager de l'avenir. Mais tu espères après combien de, combien de quintaux pour une parcelle comme ça 60. Si tu as un, un temps à peu près... Euh... Un temps à peu près, euh, moi, je vis 70 quintaux, c'est déjà bien. Pour moi, c'est une bonne moyenne. Ok, 7 tonnes hectares c'est une bonne moyenne, euh, enfin c'est une bonne moyenne, c'est la moyenne qu'on espère en tirer avec ce type de production là. Mais quand on fait le tour de l'histoire de la ferme avec une autre façon de travailler, elle était déjà de ça. Donc euh, on a quelques bonnes récoltes mais on a les, les gros coups de sec de mai-juin qui font qu'on euh, a vite fait de perdre 10-15 quintaux. Et donc derrière euh, couverts végétaux j'imagine. Oui. Couverts végétaux. Donc euh, derrière je fais des couverts multi espèces euh, où c'est un peu des couverts d'opportunistes parce que euh, vesp enfin vesp euh, impératif dans tous les couverts même si j'en ai en culture de la févrole, j'en mets de moins en moins parce que c'est une grosse graine et je trouve que enfin je la c'est un nid à cochon, donc euh, je ne pas trop. Euh, du lin, euh, facéli, sarrasin, euh, je mets un peu d'avoine, un peu de seigle. Je mets un peu de tout, parce que hum, depuis deux ans, je suis arrivé à faire pâturer mes couverts. Donc, euh, un peu de radis. Je mets vraiment un peu de tout. Je, tout. Tout ce que je trouve, ce que j'ai sous la main et qui correspond un peu dans nos groupes d'échange, euh, je mets un peu de tout. et L'objectif, c'est de faire pâturer. Euh, et je m'aperçois que les vaches, euh, eh ben, me rendent des parcelles très propres. Et, et même si j'y croyais pas, ça fonctionne pas mal. Et, et, et j'aligne trois, euh, quatre bêtes à l'hectare dans les couverts euh, de moyenne. Et je mène les gros, enfin, les gros lots de passe dans les couverts. et C'est vraiment génial. Alors la première journée, elle vous demande un peu, enfin. Elles attendent derrière le fil d'un air de dire "mais t'es pas un peu taré là", mais après euh, elles courent après. Les fleurs de tournesol, elles commencent par ça, elles en sont complètement starbées Et tu les lâches à quelle hauteur du couvert et tu les enlèves à enfin tu, tu alors, alors, raser, euh, à quel point Alors moi c'est pas comme ça, enfin c'est pas comme ça. Euh, c'est surtout par rapport à une date. Ce que je veux, c'est qu'elles aient fini de pâturer les couverts pour pouvoir semer derrière. Donc euh, quand, euh, quand les parcelles de prairie, il faut commencer à les euh, à les dépresser. Eh ben je lâche dans les couverts. Alors, soit je les lâche dans des grandes parcelles et elles se débrouillent, soit j'avance au fil, euh, mais j'avance au fil à la semaine. Je ne suis pas assez courageux pour avancer au fil à la journée. Donc, euh, je me débrouille d'avancer sur des grosses surfaces et qu'elles me rendent les parcelles propres. Et ça me permet aussi de ne plus avoir de couverts assez développés qui me tiennent les, les, les sangliers dans les parcelles, parce que ça, je ne pouvais plus supporter ça, là. Euh, l'agriculture de enfin comme on travaille aujourd'hui, quand on fait le tour de tout le voisinage, il n'y a pas enfin, il n'y a pas une touille de cochon nulle part autour, sauf chez moi. donc là là là, là je ne peux plus supporter donc euh, là les vaches, le fait de pâturer les couverts ça m'a vraiment euh, ça m'a aidé. Et quand tu sèmes un couvert, donc très diversifié, est-ce que tu vises une densité minimale en termes de graines au mètre carré Tu cherches à avoir quelque chose de dense ou c'est pas forcément le but Si je je cherche à avoir un couvert assez épais et assez dense pour pas que les mauvaises herbes se développent. D'accord. Alors ça c'est facile sur le papier, c'est facile à dire. Euh, surtout que je sais pas chez vous, mais chez nous la météo elle est plus fiable pour celle d'hier que celle de demain. Et, et ben il y a des fois on voudrait que ça lève plus vite que ça ne lève et on, ben, les mauvaises herbes une fois qu'elles sont démarrées elles passent devant le couvert. Mais aujourd'hui le pâturage me permet d'arrêter de monter à graines les régras ou les vulpins qui se développent quoi. Et donc un couvert on va être direct derrière la moissonneuse ou tu laisses un peu de temps Ah ce ben, déjà euh, c'est pas direct derrière la moissonneuse parce que moi je récolte toutes les pailles okay. et euh, j'ai beaucoup de mon matériel en cuma donc euh, moi je suis dans les premiers à récolter. Et après, je vais les aider. Donc, euh, peu importe la date du semis, ce que je veux, c'est que ce soit impérativement semé avant qu'il pleuve. Alors, s'il pleut au cul de la moissonneuse, enfin, ou au, dès que les ballots sont sont faits, ça me chagrine pas. Ce que je veux, c'est que l'impératif, c'est qu'au 15 août, ce soit fait. Enfin, ce qu'il faut, c'est que ce soit semé comme tous les colza qu'il y a autour, pour qu'il y ait du potentiel et que ça dé démarre plein gaz après. Euh, J'ai plus le, la psychose de dire il faut rentrer la paille pour absolument se mettre derrière parce que les années où on a pris 20 mm derrière, derrière le semis du couvert et qu'après il a fait très sec, on a des couverts qui font 10 cm qui se mettent à fleurir et il n'y a rien du tout. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ma politique est un peu changée et je préfère que ça, voilà, ça attende un peu mais qu'on réussisse le couvert. Je préfère que le couvert soit réussi que mal levé. Et est-ce que tu, 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 tu fais attention à une certaine profondeur d'implantation pour le couvert ou c'est pas quelque chose qui est <coughs> la, la profondeur d'implantation, elle a augmenté. Euh, malgré moi, j'en sais rien. Euh, il y a une année, je m'étais gouré, enfin, j'étais un peu pressé, j'ai pas trop regardé derrière, je l'avais semé très profond. Il devait au moins être à 4 cm. Euh, mais en fait, c'est dans le... Il enfin, y a pas mal de temps et je trouvais que les petites graines et les grosses graines étaient sorties donc aujourd'hui euh, c'est assez profond je préfère mettre profond et qu'il n'ait pas euh, le bénéfice des 2-3 mm qui tombent de temps en temps mais quand il va arriver à germer au moins il est, à, il est profond et il démarre il met plus de temps à sortir mais au moins quand il va sortir il va sortir que quand on est un peu trop light comme j'étais pendant un certain temps, ah bah oui, c'est sûr que ça lève, mais euh, euh, ça crée. Enfin, nous ici, j'ai vu des couverts lever magnifiques, voir tous les rangs comme il faut. Un gros coup de sec, tout est crevé. Donc maintenant, euh, il est semé profond. Et euh, ah c'est l'avantage de la dent, hein, on peut semer profond. Là, on est dans une parcelle. Enfin, euh, on est à côté de celle où il y avait le blé. On est dans des parcelles toujours avec un sol calcaire, euh, pH 8 et euh, demi. J'ai semé une prairie sur une parcelle, parce que il commençait à se salir. Et, hum, comme je veux incorporer des prairies dans mes parcelles de céréales pour arriver à les nettoyer, euh, et que celle-là, elle avait gros de ruissellement, donc j'ai dit, on va mettre une parcelle de prairies en place. Et, avec des pH et huit et demi, c'est quand même un peu compliqué, donc j'ai semé des mélanges, un mélange complet avec, euh, même, enfin, je sais plus combien de variétés, mais, hum, de la légumineuse et de la graminée. Et celle-là, on a un tapis de trèfle toute l'année. Donc elle est gérée avec euh, une fertilité très peu d'azote. Jips, euh, cali, au printemps. Cette année, peu près, 20... ouais. Très peu d'azote, c'est combien d'unités Jips, Patenkali, euh, combien Alors de... c'est 100 kg, gypse 100 kg, Késerit, 100 kg de Paten Kali, euh 25 unités d'azote pour démarrer. Jusque-là, c'était géré comme ça. Cette année, je vais travailler différemment parce que je prends le produit de chez Thierry Dartois Synergie, là, le parce que dedans il y a gros d'oligo et je vais toujours apporter un peu de ma enfin de, de mon mélange euh, sur une moitié pour voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc c'est des parcelles où j'y mets les vaches à veau et donc euh, on lâche de bonheur pour dépresser et après ben on fait tourner euh, en pâturage tournant, j'ai fait des paddocks euh, qui me tiennent deux jours. Euh, je lâche euh, la parcelle est fait 12 hectares, je crois que je lâche 40 euh, 40 45 vaches, 45 veaux. Euh, jusqu'au sevrage des veaux et après j'amène euh, 70 80 jeunisses que je fais tourner et je gère tout l'été, enfin tout l'été, tout le printemps que un tapis de trèfle. C'est impressionnant parce qu'avec des ph aussi élevés, ben je comprends pas. Je ne demande euh, qu'à comprendre, mais euh, c'est un tapis de trèfle. Alors, on est sur une bande où j'avais semé deux hectares de dactyle pour le gérer en pâturage de 21 jours. Suite à la formation de Conrad, euh, il nous avait expliqué qu'il fallait plutôt passer à 15 parce que moi n'étais pas content du dactyle. Et aujourd'hui, je suis content du dactyle parce que voilà, j'ai appris le cultiver. Et l'autre moitié de la parcelle, enfin l'autre euh, bande de la parcelle. Il y a un peu plus de luzerne de dedans à pâturer, beaucoup moins de dactyl. Euh, des mélanges de de gras pâturin. et on a un tapis de trèfle. Donc euh, voilà. Et ta, ta prairie va rester combien de temps ici 5-7 ans, suivant comment elle est en place. Alors euh, par rapport à la pac, jongle un peu parce que hum, les premières années, les deux premières années, comme je sème beaucoup de légumineuses, je la décarne en trèfle. Et euh, ce qui me permet de l'emmener à sept ans. Sinon, c'est cinq ans. Je... Mais là, elle est tellement belle en trêve que ça me fait. Voilà, euh, je vais semer un blé dedans là au mois de. Enfin, à l'automne, je vais semer un blé dedans là. Et, et comment tu vas détruire cette prairie justement Donc, euh, je vais semer un blé dedans, euh, glypho, euh, semi, et je vais rouler. Donc, dans cette parcelle-là, on va faire un blé et on va lui faire faire. On va lui faire un glypho. Euh, pour que ce soit propre et qu'on sème un blé dedans. Et ce qu'on avait vu en association euh, par rapport aux essais qui avaient été formulés, c'était associer le glyphosate avec un peu d'allié et un peu de 4D. Et c'est euh, quel type de glyphosate, euh, quelle dose d'allié, quelle dose de, de, de 4D justement mélange Eh ben, glypho, on était toujours sur des glyphos, euh, pas des 360, des 450 ou des 480 enfin des 460 ou des 480, pour que la formulation glypho en usine elle soit déjà beaucoup plus puissante qu'un 360. Et de mémoire, sur les essais, c'était 5 grammes d'alliés, 0,05 grammes d'alliés et euh, 0,01 de 224 D. C'est insignifiant, mais le mélange qui avait été fait en essai, ça marche, c'est du tonnerre. Plus sulfate d'ammonium Ah oui, toujours. On acidifie toujours l'eau. On casse la dureté avec un vinaigre blanc et moi je fais toujours mes glyphos avec des, des micro-organismes des EM. Toujours, toujours, toujours. Combien dites les EM? Eh ben moi je traite à 20 litres hectares, donc je me prends pas la tête, je mets euh, euh, presque quasiment 20 litres, enfin 19 litres de, 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 de EM et un litre de glyphos. Okay. Et, euh, donc, tu dis 005 de 2KD, donc c'est 5 grammes ou 005 grammes? 005 grammes. Ah, et donc très basse euh, bien sûr, on précise bien que c'était de l'expérimentation. Ouais, c'était de l'expérimentation. C'est un appel au législateur que c'est un truc qui marche en essai, mais qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas homologué. Ouais. OK. Et, des, et dans les prairies, là, ces prairies-là qui étaient des prairies, euh, qui sont des prairies sur la plaine serralière, elles ont les biberonnes, mélasses, plein gaz, enfin 25 litres de mélasse, euh, j'apporte entre 20 et 30 litres de M hectare avec du bord, des grosses quantités de bord, on met euh, 4-5 kilos de bord euh, et j'apporte euh, bah, toute la touille d'oligo qui me manque un peu dans l'analyse de sol, euh, ça me permet d'avoir des prairies euh, avec des, des analyses euh, fourragères qui, qui tiennent la route quoi. Donc l'apport la, de bord, c'est vraiment parce que c'est déficitaire dans le sol, quoi, c'est ça C'est pas que déficitaire, mais c'est surtout que le bord, il aide les légumineuses à se développer. Euh, et on a besoin de bord sur les trèfles, euh, donc il n'y a pas de débat. Et euh, qu'est-ce que tu vas chercher avec la mélasse La mélasse, la vie du sol. D'accord. La mélasse, c'est vraiment la vie du sol et les deux-trois points d'azote euh, assimilés par les plantes très rapidement. et, euh, et C'est vraiment détonnant. Mélanger toujours avec des E.M. Ah, toujours avec des E.M., ouais. Ok. Et euh, on dit que les E.M., c'est quand même photosensible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à les mettre en foliaire qui, à peine sur la faille, ils crèvent tout de suite quoi. Non, non, non. Euh, les, les, les essais qui font qu'on on fait ça, c'est qu'on avait... Quand on a commencé à discuter qu'on allait nous enlever le glyphosate, moi j'avais fait... Enfin, il m'était arrivé une connerie un jour, parce que des essais, j'en ai fait pas mal. Et on avait fait des gros apports de mélasse avec gros apports de, de m. en plein soleil. Et euh, dans le milieu du champ, le pulvé avait déconné et j'avais une bande qui avait crevé. Donc j'avais dit ça, faut que je réessaye. Mais on est vraiment sur des sur-surdosages de M et de mélasse sur la feuille pour que ça crève. Okay. Autrement, euh, ça fonctionne et c'est détonnant. La moitié de la parcelle fait avec, la moitié sans. Euh, chauffeur d'ensileuse, la première chose qu'il dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans la moitié qui... Voilà. Et à quel stade tu passes et combien de fois par an avec ce? ce ah ben non, ou... mais je suis de moins en moins courageux parce que la parcelle est dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, et euh, les parcelles sont dans l'autre sens. Donc euh, je la fais très tôt dans la saison, avant de mettre les vaches. À mon apport d'engrais, je fais tomber mes fils, je passe dans la longueur et euh, j'ai pas en plein gaz. Avec les trois produits mélangés, donc oui. euh, bor, hum, ah oui. mélasse. Euh, j'apporte mes oligos, donc je fais euh, bor, molybdène. J'apporte du molybdène aussi. Ok. Mélasse, acide humique et les EM. Ok. Euh, et ça, c'est vraiment. Euh... Enfin, je le vois bien parce que les vaches me le rendent. Elle est dans sa sixième année. Elle aurait déjà dû être en blé, mais il y a tellement de trèfle au sol que ça me fait pitié de. Enfin, ça, ça voilà. Le, la, le, je sais qu'il y aura un bon blé derrière, mais je suis pas sûr que si je sème pour 200 balles de prairie, j'ai la même chose par terre. Okay. Mais voilà, c'est la dernière année, euh, je me suis fait une raison, c'est fini, je refais un blé derrière. Mais je sais quand je vais mettre les vaches là, euh, je n'ai pas besoin d'avoir un gros tapis d'herbe pour qu'elles soient calées et qu'elles dorment. Euh, je n'ai pas fait mes tonnages de viande sortis euh, sorties comme il faudrait le faire euh, à la parcelle, mais alors là, il se passe quelque chose. Dans ces, dans ces prairies-là, où euh, qui sont des prairies où en céréales, on sort pas de gros rendements parce que c'est vraiment séchant, eh ben je suis impressionné de de ce que le trèfle est capable de faire. Et question bête, c'est du calcaire donc pourquoi pas de la luzerne Parce que la luzerne j'ai un mal de Alors la luzerne, il y en a eu une partie de semée, toute la moitié droite de la parcelle a été semée en luzerne parce que j'ai vraiment fait euh, une deux trois quatre bandes d'essai et la, la luzerne qui est à l'autre bout, euh, j'arrive pas à la faire le enfin j'arrive à la faire lever et comme je suis psychologiquement euh... Les insecticides, je peux pas les voir. Je me fais tabasser par les insectes euh, la luzerne et, et sorti d'hiver à chaque fois les pola là. Ok. Fallait pas là. Les pas là à la quantité que je lui demanderais. Donc euh, que le trèfle, c'est je sais pas pourquoi ça démarre plein gaz. Super, super, super. Et la parcelle est comme ça d'un bout à l'autre. C'est que du trèfle, que du trèfle, que du trèfle, que du trèfle. Okay. Là, tu lâches les vaches là non quand tu ah bah alors là elles sont complètement tarées. Et je le vois bien. J'ai un autre site de l'autre côté de la ferté bernard qui est des vieilles, où c'est des vieilles prairies où il y a du trèfle. Je sors pas les mêmes broutards que là-dedans. Les broutards là, ils réclament jamais les nourrisseurs, Ils sont, on voit bien les nourrisseurs ils passent pas vite. Ils sont le nez dans le gazon toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et on voit bien les kilos sont là. Super. mais le dactyle il a fallu il a fallu se mettre à, à apprendre à le cultiver parce que moi j'étais sur sur 21 jours de de pâturage et ils en voulaient pas et on a fait une formation avec Conrad Conrad il m'avait dit c'est 15 15 ou 16 jours donc on a serré un peu le pâturage ouais. et aujourd'hui ben le pâture, nickel. OK donc c'est vraiment quelque chose que tu retiens pour le dactyle Ah oui. Ah oui j'étais pas un... je laisse semé parce que tout le monde disait dans la pierre, il y a que ça qui pousse, ce qui est vrai parce que en période d'été, il y a que lui qui pousse, mais par contre, faut vraiment appliquer les 16 jours et à 18 jours, elles en veulent plus et à 21 euh, bah gueule au pied du fil et alors qu'il y a du dactyle qui est dans la parcelle. OK. Et là, on va dépresser ça au euh, bon, 15 février, on va lâcher, enfin sauf si fait pourri mais normalement 15 février, elles sont là euh, Qu'elle me le nettoie comme il faut, et après tous les quinze jours, euh, je suis dedans, je lâche pas. Et elle commence pas par le dactyle, c'est clair, mais elle me le nettoie. Donc euh, quand je change de parcelle, mes, mes touffes de dactyle sont vraiment rases. Tous les ronds verts clairs qu'on voit au loin, là-bas, ce n'est que du trèfle. Ah, d'accord. Et là, on est, il euh, n'y a pas de terre. Là, toute la bosse, là, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre du tout. Euh, c'est que de la pierre euh, et aujourd'hui c'est que du trèfle. Là on est revenu auprès de la ferme. Euh, c'est des sols très très hétérogènes. On est sur des, des, des ronds calcaires euh, avec des pH assez élevés. Et autour de ces ronds calcaires on a des ronds plutôt euh, sablot argileux avec des pH à 6-6,5. Euh, ça c'est une parcelle que j'ai mis en méthyl. Avec un peu de, enfin, du trèfle et de la luzerne. Et la luzerne est encore en train de s'en aller. Euh, elle était bien levée, elle était bien présente, mais là, plus ça va, moins liée. Et l'objectif, ça, c'est d'ensiler cette parcelle-là. Et une fois, deux fois. Et suivant si les légumineuses, enfin, les trèfles et la luzerne, y reste, on les laissera. Sinon, on va ressemer une culture, euh, genre, euh, millier derrière. Et donc là, ça a été semé à quelle date, ici Ça, ça a été semé euh, fin septembre. Et en composition, je vois de la févrole, du trèfle De la vesse, ouais. de l'avoine et du seigle. OK. Euh, en proportion euh, de la vesse, on a mis un peu moins que les autres années, parce que j'en avais un peu moins à disposition. Et puis, euh, j'ai semé un peu plus grande métaille, donc euh, qui n'était pas prévu. Ce qui fait que là, je dois avoir 25-30 kg de vesse, 80-90 kg de févrole. Euh, j'ai remonté un peu en avoine, je dois être à 50 et 50, non, je suis à so non, non, je déconne, je suis à 70 d'avoine et euh, 25 de seigle. Euh, il doit y avoir une 50, 50, 60 kilos de peau Et c'est des parcelles où, euh, donc la partie haute, elle est assez riche en régras et la partie basse, par contre, elle est très développée avec de l'aile Donc l'objectif, c'est vraiment de, densiler ça, de nettoyer ça, et euh, on repartira avec une culture de printemps. Et je vois que tu mets du seigle, euh, ça me fait penser à une question. Comment tu gères tes limaces Comment gère mes limaces Alors pour être clair, euh, les limaces ils sont gérés avec les glyphos parce que pour moi euh, les limaces c'est systématiquement derrière des glyphos. Donc euh, je gère ça avec des EM. Et okay. depuis que je fais EM glyphos, j'ai beaucoup 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 moins de limaces. Et pour rappel, c'est combien de M avec un glypho euh, c'est j'essaye euh, enfin j'essaye enfin, non c'est suivant mes, mes stocks mais j'ai souvent de gros stocks de m parce que j'en mets partout à toutes les sauces et euh, je mets 18 enfin, 17 18 litres de m pour un litre de glypho ok mais à partir du moment enfin par rapport à tout ce que je vois sur la ferme et tous les essais que j'ai faits, à partir du moment où on amène 10 litres de m quel que soit la enfin, moi je suis à l'ultra en ultra bas volume à partir du moment où on amène 10 litres de m j'ai pas ou peu de limaces. Et c'est combien de litres ultra bas volume Moins de 25. Ok. Euh, euh, depuis qu'on apporte beaucoup de M, je trouve qu'on a quand même beaucoup, beaucoup moins de problèmes de limaces. Et euh, les limaces, moi, c'était systématiquement derrière des désherbages. Et aujourd'hui... Euh, mais là c'est là c'est pas de l'animace qui m'a enlevé le, le trèfle pour moi j'ai enfin des petites bêtes qui ont dû me c'est le problème des éleveurs on est un peu moins dans les champs et, euh, et et le suivi se fait beaucoup de la route ça c'est pas bien et euh, et donc dans un système quand même avec pas mal de prairies euh, prairie, donc euh, des fois un petit peu de topin. Comment tu gères le topin justement Le topin, c'est système. Enfin, les parcelles où il y a du topin, topin ce qui moi, est plus un problème parce que j'en ai quasiment pas, euh, on apporte une grosse quantité de bord, une grosse quantité de mé mélasse. Alors la grosse quantité de bord, on monte à 7 kg de bord, mais de matière de bord. Donc pour un octaborate qui dose 210 grammes, ça, euh, ça, ça, ça se dilue autant, autant de. Non, bah, il faut passer plusieurs fois. D'accord. Mais euh, ça fonctionne mélanger avec de la mélasse 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 faut apporter énormément de mélasse avec le le bord. en fait ça déstabilise enfin par rapport aux essais qu'on a fait euh, sur la ferme chez moi chez mon voisin c'était des essais d'un fournisseur je, que je me rappelle plus tout à fait le nom euh, nous on faisait notre vieille sauce avec euh, le bord et la mélasse et ça fonctionne donc euh, Comparer des solutions chimiques. Chimiques. Ouais, Comparer des solutions chimiques. Moi, les insecticides, je les supporte pas. Je finis à l'hosto à chaque fois. Donc, euh, ah oui, d'accord. Euh, C'est pour ça que l'insecticide, j'en utilise, j'en fais pas. C'est oui, oui. C'est aussi la problématique de mes luzernes où euh, il faudrait passer l'insecticide, mais euh, entre passer l'insecticide et me retrouver à l'hosto, euh, je préfère pas passer l'insecticide. Ça le mérite d'être clair. Ok. J'ai le foie qui supporte pas moi. Mais bon, non, non. là c'est une parcelle où même s'il y a pas de luzerne, il va y avoir un peu de trèfle et on va faire le job pour faire pâturer les jeunisses Et puis déjà, si j'arrive à sortir mes deux coupes, là on est dans un rond qui est très clair, mais on voit bien que tout le reste de la parcelle est quand même assez, assez développé. Donc je suis pas très inquiet. On va sortir le tonnage. Sortir le tonnage. Et euh, dans ton métal je vois qu'il y a de la févrole. Oui. Euh, plus largement sur la févrole, il y a certains conseillers agronomes. Euh, qui, qui, qui qui nous qui nous qui soutiennent que la févrole c'est pas terrible pour la ration d'une ah. vache qu'est- ce que tu en penses Ben moi je crois que ce que je vois donc euh, j'ai fait des couverts encilées à base de févrole pendant des années j'ai arrêté pendant un ou deux ans parce que c'est ce que j'avais aussi entendu mais comme je fais pâturer mes couverts et que les vaches mangent la févrole de la tête aux pieds si elles sont capables de la manger, c'est qu'on est capable de l'ensiler et de la de, enfin, de... que ça pose pas de problème. Et aujourd'hui, dans l'eau, je, je trouve pas un brin de févrole, enfin, elle mange comme le reste. J'ai un voisin qui est dans, pas taffé dans mes, dans mon système, mais qu'on est pas loin, qui ensile lui de la févrole pure. OK. Et il mélange ça dans ses silos, il a, enfin, il y a pas de chier, c'est de l'azote, hein. Alors, il est clair qu'il faut pas de la, de, une févrole qui est toute noire. Moi, elle est toute verte quand on l'ensile même s'il y a quelques feuilles qu'on noircit au pied, c'est insignifiant. Donc, non, non, on n'a pas de, enfin, moi, j'ai pas j'ai pas de pas a priori là-dessus. Enfin, j'en ai plus, en tout cas. Et, si euh, et si as des vaches qui pâturent, ou qui pâturent un couvert, ou qui pâturent une prairie, des fois, ça peut marquer un petit peu dur. Est-ce que tu réouvres le sol avant de faire un semi-direct? Parce que des fois, ça va être un peu marqué, quand même. Alors, euh, ça dépend ce qu'on appelle marqué. Moi, j'estime que tant qu'on est à la hauteur du sabot, euh, l'expérience fait que même si psychologiquement c'est compliqué, bon, après, il faut pas non plus que ce soit toute la parcelle déglinguée. Mais en fait, sous les sabots, euh, la vache enfin, sécrète. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais euh, même une prairie qui est un peu abîmée où les vaches sont passées, ça repousse toujours sous le sabot d'une vache. Sauf, on est bien d'accord, là où c'est démonté. Mais j'ai pas de, j'ai pas d'a priori là-dessus. Moi, euh, je préfère semer en direct derrière un passage de vache où elles ont un petit peu abîmé que de retravailler la terre. Il faut vraiment que. Mais tous les essais, j'ai racheté un décompacteur il y a quatre ou cinq ans parce qu'on nous avait expliqué qu'il fallait décompacter les sols pour arriver à, voilà, à plein de choses. Bah ouais, mais moi tous les essais que j'ai faits, hormis bouffer du fioul et du temps, j'ai rien gagné. Euh... Alors je suis pas dans des sols qui se ferment. Euh, peut-être que sur des limons hydromorphes on n'a pas la même problématique mais chez moi j'ai pas de il y a pas de débat. le décompacteur partout on l'a essayé même en apportant des EM et tout ce qu'il faut dans la ligne enfin derrière la dent du décompacteur j'ai rien gagné ça m'a jamais payé les litres de fuel que j'ai consommé les heures de tracteur et les ronds compactés que j'ai voulu décompacter au décompacteur, euh, ça a toujours été le couvert qui me l'a décompacté parce que le décompacteur n'a jamais fait le boulot euh, escompté. Mais oui, 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 oui euh, je, je l'entends, mais non. Ok, ah non, c'est super intéressant. Je, moi, je crois que ce que je vois, donc, euh, il est vrai que quand euh, je crois que c'est Guillaume Tan qui nous avait dit, euh, les gars, vous savez. À force de travailler en semi-direct, euh, vous allez vous retrouver avec des sols compactés. Ouais, je veux bien. Moi, je prends la fourche à bêcher, je prends le transpalette euh, au moins deux fois l'année. On fait des trous un peu partout dans la ferme. Bah non, 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 non. J'ai pas de des endroits où je suis passé avec le décompacteur l'année d'avant et on met le transpalette là où la dent dente décompacteur est passée ou là où c'est pas passé. J'ai pas une grosse différence et j'ai surtout pas de différence de rendement. Donc non. Mais ce que tu précises, c'est que c'est très important de vérifier à la bêche ah bah ou à oui. la fourche transpalette pour voir que tout se passe bien. Ah, bah oui. Et je suis pas que à me promener les mains dans les poches. Euh, le transpalette, on le sort au moins deux fois l'année. Au moins, ouais. Et la fourche à bêcher, elle est, de toute façon, elle est dans ma voiture et régulièrement on fait des trous, on regarde comment se comportent les racines et c'est elles qui font qu'on intervient ou on n'intervient pas. Le transpalette, pour moi, c'est l'outil le plus, plus folle à grand, parce que vous, les deux lames posées côte à côte, rentrées en terre, sorties, on voit nettement les racines et on voit, on voit la, enfin, on voit les structures de sol, hein, très rapidement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'intervient pas avec du matériel, enfin, j'ai le décompacteur, mais il sert pas. OK. en pile. Là, nous, enfin, là, le bourg, il est en dessous de la parcelle. Euh, du temps où on travaillait la terre ici, euh, le terrain, le stade de, du, enfin, le stade de foot, là, il était plus souvent plein de sédiments. Et là, maintenant, c'est fini, on en parle plus. Ouais. Okay. C'est l'avantage du semis. Et donc, vieille euh, vis à -vis de ce météil, ensuite, il y aura quoi? Donc, soit il va rester un peu de, la... très fait de légumineuses et on va le garder, soit il va pas y en avoir et on repart en culture de printemps. Donc, euh, un millier ou, enfin, ça sera un millier parce que je suis auprès des bois, je peux pas faire de tournesol. Okay. J'ai trop de problématiques de pigeons. Il y a de grandes chances que ce soit, ou alors, je ressais un métail. Suivant les quantités de bouffe, et puis si, voilà, si j'ai encore des lots de, si j'ai de l'opportunité sur des lots de jeunesse à acheter, euh, je refais des métails de printemps. Ça, je sais faire. C'est le même que le métail d'automne, mais ouais. on le sème au printemps. Même composition. Ouais, même composition. D'accord. Et euh, si c'est un tournesol, par exemple, comment tu manages ton tournesol Un coup de fraise. Je, je mêle le dessus. Euh, après, la si on n'a pas abîmé, si on n'a pas abîmé de l'ensilage, je passe la fraise. Et euh, on a un voisin là euh, qui a, un, je ne sais plus ce que c'est, qui ce semoir. Il viendra me le semer euh, en direct. Mais je passe un coup de fraise pour réchauffer la ligne de dessus et puis euh, que ce soit vraiment bien homogène pour que le tournesol il démarre plein gaz. Ok et je passe surtout un coup de fraise pour pouvoir biner derrière okay. parce que l'avantage de la fraise c'est qu'elle m'a mulché un peu tout le dessus toutes les racines vont s'être bien émiettées et ça me permet de pouvoir biner que quand je suis en direct la bineuse ne veut pas descendre donc euh, c'est l'avantage de la fraise très clair et du tournesol en semi direct euh, j'ai pris deux gaufres donc euh, voilà, euh, la fraise ça me soulage et euh, puis ça permet quand même de minéraliser Enfin à oui, le travail du sol des 3 4 cm moi c'est ouais, 3 4 pas plus. Euh, ça permet de minéraliser puis de casser vraiment euh, et puis d'éviter au, au chaume d'évaporer le, le peu d'humidité qui me restait dans le sol. Ça aide aussi à ça. Donc on disait qu'on voyait un petit un petit peu de maladie sur le bout des févroles de ton méteil Ouais. Bon, moi je suis pas très inquiet parce que hum, sur les févroles, sur l'anthracnose qui démarre quand on va refaire le, le petit passage d'oligo et euh, d'azote pour que les métailles ils soient ils se développent bien je vais lui coller un petit coup de bicarbonate de potassium pour vraiment l'assainir et euh, je vais passer à 2 3 kg hectare pour assurer mon coup de de que la férole soit vraiment saine jusqu'à la fin du cycle et ça c'est ça vient d'expérimentation que tu as fait avec des Suisses si je ne me trompe oui. pas c'est ça Oui. Alors non, le bicarbonate de potassium, c'est des essais qui avaient été faits euh ben je sais plus trop et qui. Parce que moi j'étais au bicarbonate de soude avant. Et ça c'est les Suisses qui nous avaient donné l'info euh, pour tout ce qui est floraison, où on passait du sucre et pour tout ce qui était maladie, j'étais au bicarbonate de soude. Et en fait, le bicarbonate de potassium, il nous apporte aussi de la potasse pour avoir un meilleur remplissage de grains quand on est en fin de cycle. Et nous, on s'en sert pour assécher la feuille quand les plantes sont malades en début de cycle. Surtout pour les quoi. pour que la plante soit vraiment saine lors de l'ensilage. Et donc là, tu as parlé de sucre. Est-ce que tu veux développer eh bien, euh, tout ce qui est floraison de légumineuse, j'apporte... Euh, alors, euh, j'apportais du sucre avant, maintenant on est passé sur de la mélasse, parce que c'est bien plus simple, et dans la mélasse, on a plus de saccharose, enfin, on a, on a, euh, on a tous les saccharoses, les saccharides, et les polysaccharides qui sont dedans, et euh, la multitude de sucres, sur la floraison euh, permet euh, aux insectes, enfin permet surtout à ce que les insectes piqueurs viennent pas ravager les, nos cultures, enfin nos légumineuses en floraison. C'est un leurre. La teneur en sucre de la feuille, elle augmente et l'insecte vient pas piquer. Ok. Et toutes nos, nos légumineuses, eh ben on les euh, euh, on les biberonne au sucre, enfin la mélasse. Et c'est combien de litres On apporte 2 litres. 2 litres. Ok. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs fois successivement. Eh bien, euh, sur une floraison qui est assez longue, euh, sur les vesses, je passe deux fois. D'accord. Ça nous permet de gérer euh, une grosse partie d'insectes et surtout de pas avoir d'insecticides à faire. Donc, euh, je suis en limousine. Là, vous en avez une partie qui n'est pas écornée, parce que hum, c'est ce qu'on vient de se dire. Euh, avec la loi bien-être animal, j'avais été... Enfin, euh, pour moi, il fallait faire faire ça par euh, l'extérieur, par des pros. Donc, elles ont été... J'ai un lot de 18 mois. Enfin, pendant 18 mois où je n'ai pas écorné. Donc, j'en ai quelques animaux qui sont pas écornés, qui sont au milieu du cheptel où les autres sont écornés. Donc, voilà. Ça, c'est une ration euh, à base de métaille. Euh, maïs sans silage d'épis et tous mes déchets de céréales. Donc c'est mélangé à la mélangeuse et c'est soigné pour deux jours. Dans ma logistique de boulot, moi je veux absolument du temps libre, enfin du temps pour faire autre chose, okay. et je soigne un jour sur deux. Donc elles sont soignées assez loin de l'auge pour que le lendemain, j'ai juste à repousser pour pas avoir la mélangeuse en route à, mettre, euh, enfin, à mettre en route tous les matins. C'est ma façon de travailler et ça me permet un jour sur deux de, de gagner une heure de boulot. Quoi. Ok. Donc voilà. Je vais le centre entre 100 et 100, enfin une grosse centaine de, euh, de vaches. Et donc tu disais que tu travaillais aussi les EM dans la ration des ah vaches Ah oui. Je, des, bah, enfin, des EM, j'en mets partout. Oui, j'ai l'impression. Euh, j'en mets dans la paille, dans les ballots de paille, euh, parce qu'en fait, la ration mélangée euh, à base de, à base de métaille, je la mets euh, que quand tout le monde est rentré pour que le silo il avance assez vite. Et donc, euh, pour avoir suffisamment d'EM dans les paillets, euh, je mets sur certains, enfin sur les ballots de paille, euh, pas tous les jours, mais une ou deux fois la semaine, je vide un seau sur les ballots pour les paillages, pour que mes fumiers montent pas en température. D'accord. Ça c'est en début de saison et après, une fois que je mets des EM dans la ration, donc le, je mets sur euh, des EM euh, sur une base de 100, 000, 100 ml par vache par jour. Ok. Et ça, c'est plus ou moins, euh, on n'est pas à 20 ou 30 ml près. Ce qu'il faut, c'est en mettre, ça c'est l'impératif. On a une meilleure, enfin euh, ça, ça me revient des laitiers, on a une meilleure mastication et on a une meilleure digestibilité de l'amidon. OK. Euh, donc les EM, euh, on part d'une souche mère que j'achète euh, chez Multicraft. Et mes le bidon, il me fait 2, 3, 4, 5, 6 ans. Parce que je multiplie toujours ma souche. Mon fond de cuve, dans mon fond de M, je repare de l'eau, du sel, enfin la, la, la recette quoi, euh, une grosse poignée de sel. Pour 1000 litres d'eau. Ouais, la recette donc justement. La ouais. recette, voilà, c'est euh, 30 litres de mélasse non ah, okay. souffrée, une grosse poignée de sel, okay. marin. Et puis le reste, c'est de l'eau. Et alors l'hiver, je mets le, réchauffe le réchauffelet pour que ça aille très vite. Et tu mets combien de litres de souche mère dans la, la première souche La première fois, je mets un litre pour 1000 litres. Et après, euh, voilà, la première fois, je mets un litre. Et puis après, une fois que c'est multiplié, que c'est démarré à multiplier, eh bien moi, je remplis toujours dedans et je laisse quelques litres dans le fond de mon, mon cubi et je repars avec. Okay. Ce qu'il faut impérativement, c'est toujours avoir un cubi propre. Ça, c'est l'impératif. Pour que les EM, ils partent sur une bonne base. Si vous avez un, un cubique est dégueulasse et que vous mettez qu'un litre de souche mère, c'est mort. C'est pas les EM qui vont gagner. Donc l'été, je mets mes cubis dehors, en plein soleil, ils se multiplient tout seuls et quand ils sont multipliés, je les ramène à l'ombre sous un bâtiment. Donc t'as pas de cuve avec les résistances, euh, t'as non, non 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 non. Moi, je multiplie euh, beaucoup à l'automne pour la partie début d'hiver et partie fin d'hiver, parce que moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui, on est à la vingtaine de, de janvier. Pour moi on est à la fin de l'hiver, il ne me reste plus qu'un mois euh, avec tout le monde enfermé. Donc euh, il va me manquer euh, 1500-2000 litres de m, mais euh, je vais les faire dans mon tank et je mets le réchauffer pendant une nuit. Euh, en début de multiplication, je mets le réchauffer juste une nuit. Le lendemain matin je l'éteins et terminé, euh, la multiplication se fait toute seule. Ça se débrouille. Ok. Et euh, on utilise beaucoup les EM pour hygiéniser les fumiers, mais est-ce que le fait de les mettre dans la ration, ça, ça fait, le, ça fait le, transi le transit intestinal Et est-ce que derrière, tu as naturellement un fumier hygiénisé quoi, Vu que ça sort derrière, il faut quand même en remettre... Euh, eh ben, il en faudrait temps. certainement en remettre, mais moi, je m'aperçois que euh, les EM qui sont mis dans la ration permettent aux paillets de plus bouger, de plus fumer. Et j'ai fait un curage, pas hier, mais avant-hier... Et, euh, le fumier avait été, mis aux EM en début de, avant, enfin avant que les vaches aient la ration. Donc, euh, saut EM, enfin, des EM dans la paille. Et après, jusque là, les EM dans la ration, on voit bien, les fumiers, ils chauffent pas quand on sort de stable ça bouge pas du tout. Il hein. n'y a pas de température du tout dans les, dans les paillets. Ils sont bien stabilisés, ils bouge pas. Euh, par contre, ça va permettre de dégrader euh, très rapidement la matière quand ils vont être en tas en extérieur et qu'ils vont remouiller, ils vont passer en, en terreau, en deux coups de cuir à peau. J'utilise mes E.M. j'ai une tonne de 1000 litres, je réponds petit à petit, et, et je vois qu'au bout d'un moment, mes E.M. ne sont plus très bons. Est-ce que je les utilise quand même Non, oui, surtout pas. Des E.M. Ils doivent être bons à la consommation humaine pour être utilisés ailleurs. Si vous mettez enfin moi j'ai l'habitude au doigt maintenant j'y suis habitué au goût, je sais s'ils sont bons ou pas. Et euh, si vous ouvrez un d'EM qui sent pas bon, c'est même pas la peine de l'utiliser il faut surtout pas l'utiliser. C'est encore pire que de s'en servir. Pour moi c'est un impératif. Les EM ça doit d'abord être consommable avant avant plein de choses. Tu as une as un gros travail sur la silice euh, et tu me précises c'est pas n'importe laquelle et pas n'importe comment. Euh, on travaille avec la silice, de la silice informée, micronisée. De toute façon, au monde, il y a deux fabricants de silice. Il euh, y en a un j'ai la chance d'habiter à côté de chez un fabricant. Il travaille avec de la silice informée. Donc, euh, la silice, elle sert énormément à oxygéner, structurer les sols. Euh, elle m'a permis de résoudre dans les prairies des problèmes de rumex, euh, sur des gros apports de silice sur la silice poudre. Et euh, dans les rations en bovin ça permet aussi d'oxygéner et d'améliorer la, la fixation des, des oligos et des minéraux. Et mais c c dans une ration, ce serait combien de grammes gra C'est 2 grammes par vache. Donc c'est insignifiant. Et par jour Et par jour. D'accord. Dans les cultures, j'en apporte toujours, moi, mais j'apporte que 5 grammes, parce que je suis en ultra-bas volume et je suis avec de l'eau informée d'un vortex. OK. Euh... <coughs> Après, euh, la silice en utilisation courante, euh, euh, il faut en apporter parce que c'est ce qui permet les liaisons entre les oligos, entre quoi. Ok. Euh, sinon, ben voilà quoi. Et euh, silice et régulation de la céréale pour éviter que ça, ça verse, qu'est-ce que tu en penses oh. Ouais ben ça de la, la, la silice elle permet de le durcissement de la cuticule et, et de la tige sur les céréales pour pas que que les parcelles elles, se la figure et ça c'est prouvé plus que prouvé puisque tous ceux qui font qui en utilisent chez nous dans les groupes euh, c'est la priorité de l'utilisation de la silice quoi et euh, combien de grammes à quel stade et eh ben en fait euh, avec la chimie, à chaque fois que vous passez avec le pulvé, c'est enfin tous les collègues ils passent à chaque fois qu'ils passent euh, avec le pulvé. Moi je l'apporte euh, très tôt dans la saison euh, avec mes oligos. Et quand je repas, si j'ai besoin de repasser pour un désherbage rattrapage, et eh bien, j'en apporte aussi un peu pour euh, pour vraiment favoriser le euh, la stabilité de la plante. Un coin 5-10 grammes hectare. Moi je ouais ouais mais parce que je suis à très faible quantité d'eau. Sur une quantité d'eau euh, qui se rapproche des 100 litres, euh, faut, faut apporter 50. Faut pas avoir peur d'apporter 50 grammes. Retour sur investissement, il est clair. Et tu disais, c'était vraiment cette silice micronisée. C'est de la silice micronisée fonctionne. informée. C'est vraiment, ouais, ouais. C'est pas un tas de sable. Euh, okay. On le voit bien quand on l'apporte, On la retrouve dans les analyses folières, donc euh, ça, ça tient la route, quoi. Et ça permet surtout l'échange. C'est les chaînes d'oligo. En, enfin, de minéraux entre eux et d'oligos, euh, qui fait qu'on a une, sy, enfin une symbiose et tout fonctionne. Et quand tu dis 50 grammes, ou mettons 5, 5 10, 50 grammes, c'est du gramme pur, c'est pas du gramme c est, c est de De, de toute formulé. façon, c'est de la silice pure. Elle est pure à 99,9%. Et ça passe en pulvée, ça Et ça passe en pulvée, ouais. Ok. Donc, il n'y pas de souci. Et, euh, silice micronisée ou acide orthosilicique non, c'est de la silice micronisée. Ça n'a rien à voir avec la silice orthosilicique. Ortho ok. Et euh, sur les problèmes de lisier que certains ont en vachetière euh, quand on n'utilise pas les EM, parce qu'il y en a qui veulent toujours pas utiliser les EM, la silice fonctionne très bien. Ça liquéfie les lisier comme les EM. D'accord. Mais tout vient de l'oxygène. Donc euh, le, le schéma, il est, il est vite fait, quoi. Et tu parlais de grosses doses pour dégager du rumex. Oui. Euh, sur, les sur les parcelles de prairies, moi, où on, ben, comme là où on, on met les parcelles à disposition des vaches l'hiver, euh, là où il y a du tassement, on a du chardon et du rumex qui arrivent. Et euh, ben, pour gérer ces problématiques-là, moi je passe avec des grosses doses de silice. Donc je passe plusieurs fois pour qu'à la fin, euh, enfin, la première année pour restabiliser le sol, c'est trois kg hectares. Bon, ça coûte 22 balles, c'est pour la mer à boire. Euh, pour garder une prairie où il y a une grosse dominance de trèfle, ça permet euh, de garder la prairie, de garder le trèfle et de réguler le, les problématiques de remake et de chardon. D'accord. Mais donc, si les gens veulent se fournir cette silice, en fait, il faut contacter euh, ton voisin. Donc tu peux, oui, oui, euh, tu peux mon te, voisin. Tu peux, et, puis, euh, et Conrad, enfin, euh, Antoine Sidler va en vendre de la, enfin, celle-là, en tout cas, incessamment okay. sous peu. Enfin, ça y est, c'est ah, d'accord. Donc, elle va être à disposition euh, euh, du grand public euh, très rapidement. Ce qui était à... pas trop le cas jusqu'à présent. Non, jusque là, elle était pas, elle était surtout vendue à l'étranger, mais très peu en France et, et euh... que par quelques personnes, quoi. Ok. Et euh, <laughs> si j'ai quelques ronds de rumex dans mon blé, j'ai pas envie de faire d'allier et je mets un gros coup de silice, trois de kilos, oui. mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque pour mon blé Non, du tout. Okay. du tout, du tout, du tout, du tout l'excès de silice n'a jamais euh, posé problème, enfin ne pose pas de problème, et il vaut mieux de n'apporter que de ne pas n'apporter sur des problématiques de rumex, parce que euh, le rumex au début ça démarre sur un petit rond, et puis vous amenez des petits un peu partout, si la parcelle elle est très bien structurée sur le reste, ce n'est pas un problème, mais si sur le reste de la parcelle il y a des problèmes de structure, vous avez vite fait d'étaler la parcelle au complet en rumex. Et euh, est-ce que ce, la silice va marcher sur les rumex en cours ou euh, non c'est un, un travail les de future génération il faut quand même mettre un coup de mettre sulfuron pour claquer le rumex actuel quoi oui sur la première année il vaut mieux passer avec euh, de la chimie pour assurer le coup pour les gars qui sont en bio enfin euh, ouais, les collègues qui sont en bio ont géré euh, la silice ça s'est géré sur deux trois ans mais ça se gère très bien sans travail de sol ok euh, sur les prairies on le voit bien tous les essais qui ont été faits à droite à gauche euh, ça fonctionne très bien très très bien. Euh, sur, au bout de deux ans, euh, c'est du zéro. Et bien en fait, on est au pied du vortex. Le vortex, moi, il est sur l'arrivée d'eau. D'accord Ça, c'est mon arrivée générale. Donc, le vortex, il alimente toute la maison d'habitation chez mes parents et toute la ferme. Donc, tout ce qui va directement, tout ce qui va aux animaux, ça va en direct. Par contre, tout ce qui va sur ma cuve de pulvérisation, ça part dans une cuve de 5000 litres de réserve où l'eau est stockée. Et qu'est-ce que tu attends du vortex comme effet euh, L'information sur l'eau. Et que la molécule de calcium ne pose plus de problème pour tout ce qui est pulvérisation. Et surtout l'information sur l'eau. On dynamise l'eau et on l'informe. Et donc quelle information dans ce cas-là Toutes les informations qu'on lui fait avaler. C'est-à-dire que quand on apporte des oligos aux animaux, que les oligos soient utilisables. Ok. Et donc la dynamisation elle a lieu dans que le sur l'eau ou avec le mélange. Et là tu <coughs> passes les mélanges oligos dans le vortex Non, je passe que de l'eau dans le vortex. D'accord. Et c'est l'eau qui va avec les oligos qui lui donne okay. l'information. C'est l'eau normale, la molécule d'eau, et la molécule d'eau passée dans un vortex où elle a beaucoup plus de, de maillons pour aller chercher l'information. Ok. Et euh, tu la fais tu fait passer combien de temps dans le vortex pour la considérer comme instantanée C'est instantané. Elle rentre, l'arrivée d'eau se fait en haut, elle tourne à l'envers des aiguilles d'une montre, et elle ressort dans le circuit. C'est un vortex comme un vortex qu'on qu fait manuellement, mais là c'est fait dans de la porcelaine. À l'intérieur, c'est de l'inox pur, et à l'intérieur, c'est de la porcelaine. Et euh, le fait de passer à l'intérieur et de tourner, ça informe l'eau et lui donne de la mémoire et de la puissance. Et euh, de manière très naïve, hein, ça, ça coûte combien et ça dure combien de temps Alors ça coûte combien Je n'en sais strictement rien, parce que ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai. Donc ça dure au moins 15 ans Oui, ça dure au moins 15 ans. Et, et aujourd'hui ça fonctionne encore parce que je suis capable de faire des EM en, en moins de 12 heures que j'entends pas ça quand on n'a pas de, de vortex sur l'eau. Le, sur Donc ta génération d'EM, tu t'arrives à la faire en 12 heures Ah ouais, je prépare le matin, le soir c'est classé. J'ai mon taux d'acidité qui est descendu, ma dureté qui est tombée et, euh, et il fonctionne. Ok. Par rapport à l'utilité que j'en ai, moi, les EM, ils fonctionnent. Et c'est quel Vortex Enfin, peut-être une, une marque C'est, ou... ouais, le, moi, le Vortex, c'est LM Innovation. LM Innovation. C'est Maurice Lepage qui l'a mis au point. Aujourd'hui, enfin, celui-là, il a, je vous dis, 15 ans, donc, euh, il est, c'est un vieux, un vieux truc. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça, mais ça reste la même cinématique de machine. OK. Okay. Et on voit que oui, ça, 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 les, les tuyaux sont pas minuscules, donc en fait, ça peut avoir un peu de débit quand même cet outil. Ouais, ouais. Moi, en plus, c'est le petit. C'est le petit, parce qu'après, plus ça va, plus tu vas en art Des gros. Et aujourd'hui, tu montes en diamètre 60 soixante 80 d'accord D'accord. Euh, c'est plus du tout la même cocotte. Bon, c'est le petit, chez petit, parce que euh, il est calé par rapport à l'utilisation d'eau, des besoins en eau qu'on a sur la ferme dans la journée. D'accord. Donc, euh, tout ce qui est abreuvoir, tous les abreuvoirs, tous les bacs à eau, ils passent par là. Tout et, passe par là. Et peut-être, euh, tant qu'on parle de tout ce qui est eau euh, et, et des animaux, peut-être un mot sur tout ce qui est euh, pollution électromagnétique pour les animaux. Par exemple, je vais dire une bêtise, si on te dit, euh, Valérie, euh, euh, si tu veux, je t'offre un hangar gratuit, mais je vais mettre des panneaux solaires non. dessus. Ben on a fait la géobi... Enfin pour moi l'information le, le, de l'eau ne passe que si tu as la géobiologie de fait sur la ferme. n'y okay. C'est pas la, la peine de mettre un vortex si tu es sur un champ magnétique et que ça te plombe en électricité. Nous ici on a un gros relais à moins de 300 mètres de la ferme qui, qui posait à l'époque énormément de problèmes. Donc on a fait venir un géobiologue euh, qui est mort, euh, Danny Jacqueline qui m'a fait toute la géobiologie de la ferme, il m'a enlevé les champs magnétiques et les problèmes parasitaires d'ondes et de courants, c'est le jour et la nuit depuis, et euh, j'ai monté le vortex dans la foulée. D'accord. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ok, donc c'est quelque chose que tu fais attention, enfin, la... des, des cornadis mis à la terre, enfin… Ouais, et les... ouais, ouais, puis, Enfin, c'est pas que ça, c'est les ondes. Nous, on a euh, la malchance d'avoir une antenne relais, une ligne de chemin de fer. La rivière est euh, un, gros trans un très gros transformateur euh, pour l'hôpital qui est pas très loin. Et on est au chemin de tout ça. Donc c'est vraiment. Et des, des, des rivières souterraines sous la ferme. D'accord. Donc c'est vraiment un problème de magnétisme sur la ferme. Okay. Enfin, c'est un gros problème. Donc on a géré tout ça avant de, avant de poser le vortex. Et, euh, et donc, si j'ai bien compris, la géobiologie, c'est pister tous ces courants. Mais la première des choses, c'est aussi. Euh, avoir une bonne installation électrique, oui. une bonne mise à la terre et que les, ouais. les vaches elles prennent pas le jus, à ah chaque bah fois, fois qu'elles mettent la, la tête ouais. dans l'eau quoi. Ouais, ça on est tout. Et puis il faut bien observer les animaux parce que même si la géobiologie a été faite, ils sont revenus déjà une fois parce que le transfo il a une grosse mise à la terre qui fond régulièrement le, le câble il fond. Okay. Donc ils nous le déplacent et comme les pattes du, du transfo sont très larges, si le champ magnétique qui passe de l'autre côté, et eh ben euh, le boulot que le géobiologue a fait il ne fonctionne plus. Mais je l'observe assez rapidement quand on voit les animaux boire. Un animal, il doit boire dans un bac à eau comme il boit dans la rivière. Donc il doit descendre la gueule dedans. D'accord. Il ne doit pas être en train de laper. Une vache qui lape, il n'en faut pas plus d'eux dans le cheptel. C'est signe qu'il y a un gros problème électrique. Ça, c'est un bon, une bonne manière de s'apercevoir. Ah ouais, oui, c'est le béaba. Ça, et puis euh, quand les animaux sont en train de tout manger au cornadi, s'il y en a une qui lève la queue pour pisser... Euh, il faut pas que les autres instinctivement dans la foulée soient en train de lever la queue, c'est qu'il y a un parasite euh, au sein du tubulaire. Ça c'est visuel, mais c'est de l'observation. Okay. Mais le b à bas c'est l'eau. L'eau, il faut que l'animal quand il boit, il descende de la gueule de l'an et il boive. Il soit pas en train de la perdre. et Une vache qui lappe c'est mort. C'est qu'il y a de l'électricité quelque part. Ok. Et après j'imagine que le gros transfo voisin quand il doit faire sec, la prise de terre, enfin, la mise à la terre doit plus être très fonctionnelle. C'est pas une histoire de mise à la terre, c'est enfin, une histoire de mise à la terre, mais c'est pas que ça. C'est un gros problème de magnétisme et puis de courants parasitaires. Ok. Euh, des transfo électriques, des panneaux solaires mal raccordés, euh, sous des bâtiments, ça a vite fait de foutre le bordel. Et comment tu dévis ces courants justement Ça, c'est le boulot du géobiologue. D'accord. C'est des, enfin, des tubes en cuivre ou des pierres qui placent. Chaque géobiologue travaille différemment, mais c'est vraiment de l'observation d'animaux, de, des bâtiments où ils vont pas se coucher, des animaux qui vont pas boire comme il faut, parce que vous les voyez euh, pas boire naturellement. C'est des symptômes qui marquent tout de suite.